Mesdames, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur IBM Soul TV. Vous suivez le journal. En France, la diaspora sénégalaise apaisée par la décision de Macky Sall. Au Sénégal, l'opposition méfiante malgré l'annonce de Macky Sall. Burkina Faso, la série satirique Bienvenue à Kiki Denny de retour. Israël annonce la fin de son opération à Jenin. Voilà, c'était les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. C'est majoritairement soulagé que la diaspora sénégalaise à Paris a réagi à l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat en février prochain. Les images. Après les troubles qui ont secoué le Sénégal le mois dernier, cette décision désamorce les craintes de nouvelles effusions de sang dans le pays après des mois de spéculation. Oui, c'est une décision historique parce que tout le monde croyait qu'il allait se représenter, tout le monde, donc il a pris tout le monde du court. Donc ça, c'est la surprise. Moi, je ne suis ni Macky ni de l'autre, mais vraiment, on est tranquille. Je n'ai même pas les mots qu'il faut pour sortir. Tellement on n'attendait pas. On a besoin de cette tranquillité. Dans les rues du quartier de Château Rouge, dans la capitale française, certains Sénégalais expatriés estiment toutefois que cette décision arrive trop tard après le bilan des violences récentes. La décision finale, c'est l'intérêt final, c'est que les Sénégalais, on ne va pas aller au chaos, c'est ça qui est important déjà, puisque le président dit qu'il ne présente pas un troisième mandat et ça fait avancer la démocratie sénégalaise, donc c'est ça qui est important. Dans son discours à la Nation prononcé lundi en fin de journée, Macky Sall a déclaré qu'il chercherait à donner la priorité au progrès du Sénégal, en particulier dans une période de difficultés et d'incertitudes socio-économiques. Âgé aujourd'hui de 61 ans, le président Macky Sall a été élu pour la première fois en 2012 pour un mandat de 7 ans, puis en 2019 pour un mandat de 5 ans à la suite d'une révision constitutionnelle du mandat présidentiel. La Constitution stipule qu'un président ne peut exercer plus de 2 mandats, mais les partisans de Macky Sall ont fait valoir que le compteur était remis à zéro grâce à la révision de 2016. Macky Sall avait déjà fait campagne contre un troisième mandat de son prédécesseur Ablaye Wade au pouvoir de 2000 à 2012, et avait déclaré qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à contre-courant de la tendance continentale à l'incertitude des hommes forts à la tête du pays. Toutefois, au cours des derniers mois, il était resté timide quant à son intention de briguer un troisième mandat, entretenant ainsi l'ambiguïté exploitée par le chef de file de l'opposition Ousmane Sonko. Toujours au Sénégal, au lendemain de l'annonce de la non-candidature à la présidentielle 2024 de Macky Sall, l'heure n'était plus à la jubilation dans les rangs de la première force d'opposition sénégalaise. Les images. De nombreuses réactions, y compris à l'international, ont salué l'homme d'État et une décision d'apaisement dans un pays qui a connu début juin ses pires troubles depuis des années. L'opposition a relativisé la portée de cet acte, affirmant qu'il n'avait fait que respecter sa parole et la Constitution. Les membres de la coalition Yewi sont revenus mardi 4 juin lors d'une conférence de presse sur les graves troubles survenus en mars 2021 et début juin dans le pays. Le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance. Le flou entretenu par Macky Sall sur ses intentions pour la présidentielle et la condamnation à 10 ans de prison de Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs avait contribué à rendre la situation explosive. Suite au discours du président de la République sénégalaise, l'opposition réclame à présent des élections inclusives avec l'opposant Ousmane Sonko. Je ne veux pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler des leaders de l'opposition
pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Pour Alioune Tine, figure de la société civile et ardent opposant à un troisième mandat, c'est une délivrance. Macky Sall sort par la grande porte avec un grand discours. Le Parti démocratique sénégalais de Karim Wad, un opposant, a pour sa part salué une décision courageuse qui doit permettre au peuple sénégalais de renforcer son unité. D'autres opposants ont nuancé ses réactions de fierté. La série télévisée à succès Bienvenue à Kiki Denny est de retour sur les écrans des Burkinabés après plus d'une décennie d'arrêt. Reportage. L'intrigue du feuilleton satirique qui suit les rivalités entre un chef de village, un imam et un prêtre utilise leur querelle pour aborder sur un ton en apparence léger l'insécurité, intégrisme religieux, les pandémies et d'autres sujets sensibles. Et bienvenue à Kiki Denny. Nous avons quand même, par rapport à l'actualité, on traite de l'aspect de la sécurité. Donc on va parler de l'aspect sécuritaire aussi. Et la tolérance interreligieuse. Donc c'est autant de thèmes, toujours sur un ton comique, beaucoup d'humour dedans. Donc voilà, un peu une satire. La série en a quelque sorte des vertus thérapeutiques pour les Burkinabés qui peuvent en la regardant se distraire et rire des problématiques dont souffre leur pays, frappé par une sanglante insécurité djihadiste et qui a subi l'an dernier deux coups d'état militaire. Si la série aborde des problématiques nationales, elle intègre également des sujets sur l'universel. Ça veut dire qu'il faut posément réfléchir au scénario, à son contenu, et ne pas le traiter par rapport seulement au seul Burkinabé, mais l'ouvrir à l'univers, parce que tous les problèmes qui sont posés ici, c'est des problèmes universels finalement. Qu'on parle d'intégrisme, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Afrique. Aujourd'hui, c'est la grande question. Comment faire pour vivre ensemble? Bienvenue à Kiki Denny a débuté en 2005 sous le titre « Trois hommes, un village » et est revenu pour une deuxième série 5 ans plus tard. Elle revient aujourd'hui pour une troisième série de 20 épisodes de 26 minutes. Le tournage a lui aussi été affecté par la crise sécuritaire puisque l'équipe a dû abandonner son emplacement du village de Zignard à 35 km de la capitale. De cette grosse rivalité tout simplement humaine entre ces trois entités que sont le chef, l'agui et le curé, mais en même temps on prouve qu'on peut vivre ensemble, que la différence n'est pas un frein, que c'est plutôt une richesse. Le tournage de la troisième saison devrait se terminer à la fin du mois de juillet. La série sera diffusée sur Canal Plus et la télévision publique burkinabé début 2024 selon la société de production. Tension aux funérailles du Tunisien poignardé par des migrants. Les faits. Des Tunisiens ont rendu un dernier hommage à l'homme poignardé lors d'une bagarre entre des habitants et des migrants. L'incident fatal qui a eu lieu à Sfax lundi en fin de journée a ravivé les tensions dans cette ville côtière, devenue le deuxième point de départ pour de nombreuses personnes originaires d'Afrique subsaharienne désireuses d'atteindre l'Italie. Des jeunes Tunisiens présents aux funérailles de la victime ont appelé à la vengeance. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre d'immigrés clandestins et cela s'ajoute aux problèmes qui existent déjà en Tunisie. La nouvelle de la mort de l'homme âgé d'une quarantaine d'années s'est rapidement répandue après qu'une vidéo montrant le corps de la victime gisant dans son sang dans la rue ait été publiée sur les réseaux sociaux. Les réactions de cette vidéo, dont certains avaient des connotations racistes, comprenaient des appels à l'expulsion des migrants africains de Sfax. Trois migrants originaires du Cameroun ont été arrêtés en tant que suspects dans cet assassinat par arme blanche, a déclaré un porte-parole du tribunal. En Afrique du Sud, le danger des latrines dans les écoles, on en parle dans ce journal.
Dans toute l'Afrique du Sud rurale, les écoles sont équipées de latrines à fosses dangereuses. Ces toilettes rudimentaires sont dotées d'une dalle de béton posée sur le sol et d'une fosse d'au moins 3 mètres de profondeur. Héritage de l'époque de l'apartheid, elle aurait dû être remplacée. Les dates limitées pour les remplacements ont été déplacées et laissent les jeunes enfants exposés à un risque de chute et noyade. Il ne sait plus rien. Même quand on lui demande son âge, il ne sait pas. Depuis cet incident, il ne va plus bien. Mentalement, il ne va pas bien. Je ressens de la douleur parce que mon enfant ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. L'avenir de mon enfant s'est arrêté le 3 à l'école primaire. Et ils osent dire que je mens. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le président Nelson Mandela ont promis d'éradiquer ce fléau qui, selon les militants d'Amnesty International, symbolise l'inégalité et l'intrépide du gouvernement de l'apartheid. Plus de 3300 des 23 000 écoles publiques d'Afrique du Sud utilisent encore des latrines à fosses, selon les chiffres du gouvernement publiés en mars. Mon fils a 12 ans. Il va à la même école qu'Oratilé. Et en tant que parent, l'incident qui est arrivé, qu'il soit tombé dans les toilettes à fosse, m'a beaucoup touchée parce qu'on retourne l'histoire, on se met à la place de cette famille, on imagine notre enfant à la place d'Oratilé. On est malheureux tous les jours à l'idée de vivre cela. Bien qu'il n'existe pas de données fiables sur les noyades d'enfants dans les latrines à fosse, des articles de presse soulignent le danger quotidien. En mars, une fillette de 4 ans a été retrouvée morte dans les toilettes à fosse d'une école de la province du Capital Oriental. Un mois plus tard, une fillette de 20 ans est morte dans des toilettes à fosse dans l'arrière-cour d'un parent dans la province principale de l'État libre. Le gouvernement a dû faire face à des actions en justice de la part des familles touchées ainsi que des groupes de défense des droits et de l'opposition pour l'obliger à agir. Le fait que le gouvernement ait dû être traîné devant les tribunaux pour régler la question des toilettes à fosse montre que le gouvernement ne respecte pas ses obligations en matière de protection des droits de l'homme, à tel point qu'il doit être traîné devant les tribunaux pour régler ce problème. En 2018, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement de M. Ramaphosa a déclaré qu'un demi-million de dollars serait nécessaire pour éradiquer les latrines ouvertes dans les écoles. Le ministre de l'Éducation, Angie Motshiangwa, a ensuite fixé une nouvelle échéance pour mars de cette année qui a été repoussée à 2025. L'opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée, dans laquelle 12 Palestiniens et 11 soldats israéliens ont été tués, est terminée, a annoncé mercredi l'armée peu après avoir mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse à des tirs de roquettes. Suivez. Cette opération militaire la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été lancé lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l'assaut du camp de réfugiés palestiniens de Jenin. La ville de Jenin et le camp de réfugiés bastion du groupe armé palestinien ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part des colons juifs. Dans la nuit de mardi à mercredi, 5 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza, autre territoire palestinien, et interceptées, a indiqué l'armée israélienne mercredi. Un
Les combats ont provoqué l'exode lundi soir d'environ 3 000 habitants du camp où vivent quelques 18 000 Palestiniens, selon le gouverneur adjoint de Jenin, Kamal Abou Al-Roub. Toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi, a prévenu le djihad islamique palestinien. Le chef de Hamas a dénoncé une opération israélienne brutale. De son côté, la Ligue arabe a annoncé mardi une réunion d'urgence, tandis que la Jordanie et les Émirats arabes unis, des pays arabes entretenant des liens diplomatiques avec Israël, ont dénoncé l'opération. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé mardi les violences en Israël et en Cisjordanie occupées qui doivent cesser. Israël a le droit de se défendre, mais le droit aussi de respecter la proportionnalité du droit international, a estimé mardi le ministère allemand des Affaires étrangères. En Afghanistan, les talibans ordonnent la fermeture des salons de beauté. Reportage. Le gouvernement taliban a annoncé mardi avoir ordonné la fermeture des salons de beauté d'ici un mois en Afghanistan, une nouvelle mesure visant à tenir les femmes toujours plus à l'écart de la vie publique. Cette décision va provoquer la disparition de milliers de commerces tenus par des femmes dont la famille n'a souvent pas d'autres sources de revenus et d'un des derniers espaces de liberté et de socialisation encore restant pour les Afghans. Les femmes n'ont pas non plus le droit d'entrer dans les parcs, jardins, salles de sport et bains publics, de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin et doivent se couvrir intégralement lorsqu'elles sortent de chez elles. Mohamed Sadek Afghir Majir, le porte-parole du ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu, a confirmé mardi à l'AFP la fermeture des salons de beauté évoqués depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Sport à présent pour clôturer cette édition, Carlo Ancelotti sera sélectionneur du Brésil à partir de juin 2024. Une source interne à la Confédération brésilienne de football a annoncé mardi à l'AFP que Carlo Ancelotti allait devenir le sélectionneur du Brésil après la Copa América 2024 qui se déroulera aux États-Unis. Reportage. Une source interne à la Confédération brésilienne de football a annoncé mardi à l'AFP que Carlo Ancelotti allait devenir le sélectionneur du Brésil après la Copa América 2024 qui se déroulera aux États-Unis. L'annonce faite par une source qui n'a pas souhaité être identifiée de la venue prochaine de l'entraîneur italien de 64 ans au pays de Pelé met fin à des mois de négociations entre l'Européen et le patron de la fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, qui a toujours considéré l'Italien comme son option privilégiée pour relancer une Seleção en quête d'un second souffle après avoir accumulé les revers. Ancelotti est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024 et il a dit publiquement qu'il souhaite continuer jusque-là. Il prendra donc les rênes de la Seleção à partir de la Copa América 2024 organisée l'an prochain aux États-Unis. De manière générale. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain à la même heure. Au revoir.